TNZ-15 à autorité, TNZ-15 à autorité. Autorité, j'écoute. Un message pour vous, une certaine Gloria qui veut vous voir. On la trouve où? Sur son lieu de travail. Il paraît que ça urge. Qu'est-ce qu'on lui dit? Ok, je fais mouvement. Ils ont embarqué Willy. Les flics? Non, la bande à Lucas. Ils étaient de Charlie et un autre mec. Un nouveau, Victor. T'es sûr qu'ils n'avaient pas rendez-vous? Tu connais Willy. Jaloux comme il est. Il m'aurait jamais laissé rentrer seul. Puis même que Charlie lui a foutu sur la gueule. Il y a eu des problèmes avec eux ces derniers temps? Non, non, il était même plutôt content. Il disait qu'il était sur un truc. Quel genre de truc? Je sais pas, une affaire, comme quoi ça pouvait rapporter gros. Gros comment? Je sais pas. C'est maintenant que tu m'en parles? Et j'ai toujours été réglo, ok? Puis je prends des risques, moi. Si jamais Willy, c'est que je te rencarde. Alors je fais quoi maintenant? Rien, tu rentres chez toi. Dès que t'as des nouvelles, tu me contactes. Enfoiré de flic. T'as de la chance que j'étais à la bonne. En retard. Il sort quand? Vous avez ce qu'il faut? Il sort quand? C'est pour aujourd'hui. Son point de chute. C'est marqué sur le papier. Chez sa mère, à Suresnes. Vous verrez, c'est très calme. C'est très lumineux. Donc ici, vous avez la salle de bain. Écran plat pour la télé. Et puis, par la fenêtre, on peut voir la cour. C'est très... Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas, monsieur? C'est bon. C'est bon, c'est bon. Oh. Tenez, vous pouvez en aller. Vous voulez que j'appelle un médecin? Ça ira, je t'ai dit. Allez, dégage. Thank you.
choses, des arts plastiques. On a fait des mathématiques. Hein. Allez, maman. Monsieur, c'est personne. Dans un bon longtemps? Non, t'inquiète. Tu veux pas que je t'accompagne? C'est pas vrai, mais t'es pire qu'un maton, toi. Ouais. Tu vas me chercher dans une heure? Ouais, dis à ta mère, je l'embrasse. TMZN 15 à autorité. Autorité, j'écoute. C'est bien l'adresse qu'il a indiquée. Il va faire dodo chez maman. C'est quand la relève, là? Quelle relève? Comme une petite faim, moi. Pas bon? Ça dépend. Y a quoi? Merde! Il arrive. Putain! Vous pouvez pas se faire descendre à l'autre jour, ce con! Oh, madame, vous dégagez ou quoi? Et sa mère? Thank you.
c'est toi. Je sais que c'est toi. Oui, c'est moi. Il a porté la honte sur ma famille. Il fallait qu'il paye. C'est la loi. La loi? Mais quelle loi? Ta fille a eu un gosse, l'enfant du péché, hein, c'est ça? Mais tout le monde s'en fout, mais pas moi. Mais tu te rends compte que tu as tué le père de ton petit-fils? C'est pas mon petit-fils. Je l'ai vu. Il ressemble à son père. Oh, tu es un malade, Joseph. Grand malade. Tu veux que je te dise? Ces histoires de honte, d'honneur, de loi, c'est pas vrai. Parce que la vérité, c'est que tu n'as jamais supporté que j'en épouse un autre que toi. T'as pas pu t'en prendre à moi. Alors tu t'es vengé sur mon fils. Je fais mon devoir. C'est tout. Devoir? Quel devoir? Tu peux penser ce que tu veux. Maintenant, ça n'a plus d'importance. Si tu veux régler tes comptes, tu sais où me trouver. Je m'en irai pas, Louise. Attendez, Manu m'avait prévenu qu'il viendrait. Mais j'ai entendu des coups de feu. Je suis descendue. C'est tout. Qu'est-ce que vous me voulez? On cherche des informations sur Victor. Victor? C'est Victor? Victor le marchand. C'était un enfant de la cité. Manu l'avait pris sous sa protection un peu comme un grand frère. Et les parents ont déménagé il y a 5 ou 6 ans. T'es pas revu. Il était resté en contact avec votre fils? Je sais pas. Madame Reschka, on cherche l'assassin de votre fils. Si vous ne nous aidez pas... Mais vous en avez rien à faire de mon fils. Pour vous, c'est un tollard, c'est tout. Mais vous croyez que j'ai pas entendu ce qu'a dit votre collègue sur le corps de mon fils? Il aurait mieux fait de se faire descendre un autre jour, ce con. Alors pourquoi vous voulez que je vous aide? Pourquoi? Non, tout de suite. J'ai eu la visite des flics. Ils m'ont posé des questions sur Victor. Je crois qu'ils le cherchent. Victor, pourquoi? Parce qu'ils pensent que c'est lui qui a tué Manu. Mais c'est pas lui. Non, bien sûr, c'est pas lui. Ton père est revenu. Oui, je sais, je l'ai vu. Attendez, il a quand même pas. Si. C'est lui qui a tué Manu. Il est venu me le dire. Chez moi. Devant le cercueil de Manu. C'est pas vrai. Tu me crois pas, hein? Il m'a donné son adresse. Je veux croire. Je le connais, il en est capable. Il est capable de tout. Vous avez parlé aux flics? Les flics? Pourquoi faire? Je les regarde pas, les flics. Thank you.
C'est mon père qui a tué Manu. Ton père? Tu te rends compte? Je croyais que j'avais la haine contre lui, et puis finalement... Tu ne peux pas savoir ce que ça fait mal. Arrête. Arrête. Ça sert à rien. Pense à Valentin. Heureusement que t'es là avec toi. Pour moi, j'aurais personne à qui parler. Tu me laisseras pas tomber. Hein. Pourquoi tu veux que je te laisse tomber? Je sais pas. Je sais rien. Je sais plus. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que je vais faire? Vous venez? Bonjour. Bonjour. Manu, Victor et moi, on était tous les membres de la cité. Victor, ses parents, ils passaient leur temps à se taper dessus. Alors, il était tout le temps foré chez Louise. C'est pratiquement elle qui l'a élevé. Manu, c'est pas lui. Victor, jamais, il aurait fait ça. Vous savez qui l'a tué? Vous connaissez Albany, monsieur le commissaire? Non. Non, je connais pas. Moi non plus. Il paraît que c'est un beau pays. Mon père est né là-bas. Il est en France depuis tellement longtemps qu'il a presque oublié la langue. Mais alors, il y a une chose qu'il a jamais oubliée. Le canon. Le canon? Oui. La loi. L'honneur qu'on lave dans le sang. J'avais 16 ans. Manu, c'était un beau mec. Un soir, on a fini par coucher ensemble. Moi, c'était la première fois, j'ai pas fait attention, et puis je suis tombée enceinte. Quand mon père l'a appris, je crois qu'il allait me tuer. J'étais une traînée, j'allais amener la honte sur toute la famille. Je n'oserais plus jamais regarder personne en face. Alors, il m'a laissé un choix. L'avortement ou le suicide. D'ailleurs, je crois que j'aurais préféré le suicide. Alors, je suis partie. Manu aussi, il voulait le tuer, mais il était déjà en prison. Alors, il a attendu qu'il sorte pour le faire. C'est mon père qui l'a tué, monsieur le commissaire. Vous savez où est-ce qu'on peut le trouver? Il est mort. J'étais venue pour le tuer, je suis arrivée trop tard. Regardez. Vous savez que ça? C'est avec ça qu'il a tué mon Manu? Certainement. Venez. Vous n'avez plus rien à faire ici.